Le reste. Le reste. Quand tu manges jusqu'à plus le reste. Voilà, le reste. C'est ça? Le reste. Ils m'ont tout pris, mais il m'est resté que ce boubou, le reste. Seigneur, merci, bénis ta parole, mets l'onction sur ta parole. Tout se passera bien, j'ai foi en toi. Tu donneras gloire à ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Luc chapitre 10, à partir du verset 30. Jésus reprit la parole et dit. Jésus reprit la parole et dit. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands. Malheureusement, il tomba au milieu des brigands. Qui le dépouillaient. Qui le dépouillaient. Le rouaient de coups. Mm-hmm. Et s'en allaient en le laissant à demi-mort. Souligne, à demi-mort. Qui veut dire, si la mort était à 10%, ils l'ont laissé à 50%. À demi-mort. Mm-hmm. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva de même. À cet endroit. Il le vit. Et passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait. Arriva près de lui. Le vit. Et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en lui versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture. Le conduisit à une hôtellerie. Oui, et prit soin de lui. Le lendemain. Il sortit deux deniers. Les donna à l'hôtelier et dit. Prends soin de lui. Et ce que tu dépenseras en plus. Je te le paierai moi-même. À mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Merci. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. La Bible dit un homme de Jérusalem. Il sortait de Jéricho. Malheureusement, il tombe parmi les brigands. Tu peux t'asseoir, ma fille. C'est fini. On va parler de deux passages. Il tombe parmi les brigands. Les brigands l'ont tellement botté. Il restait le coup de grâce. Là, il allait mourir. Mais ils l'ont laissé en demi-mort. En temps normal, un homme qui vient de Jérusalem. Voilà qu'un lévite vient et le regarde et le dépasse. Le lévite n'a pas le secourir. Il doit le secourir. Mais le lévite sort de Jérusalem. Un second vient et le regarde et le dépasse. Maintenant, un Samaritain vient. Lui qui n'a rien à voir avec lui, ils n'ont pas le même sang. Ils ne sortent même pas de la même tribu. Il prend soin de lui. Il prend soin de lui pour aujourd'hui. Il prend soin de lui pour demain. Et il prend soin de lui pour après-demain. Laisse-moi te dire quelque chose. Le diable touche à tout, mais il y a un reste. Il y a un reste. Quand Dieu doit relever quelqu'un, c'est ce reste-là sur lequel il s'appuie pour le relever. Le diable a eu tort de te laisser vivre. Puisqu'il t'a laissé vivre, il y a un reste que Dieu va utiliser pour ton élévation. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen plus fort? Voilà qu'un lévite, son sang, le regarde, il le dépasse. Un autre vient, son sang, le regarde, puis le dépasse. Mais un inconnu vient, il bande ses plaies, il prend soin de lui.
Je vais dire à quelqu'un, ta bénédiction ne sortira pas de ton père ni de ta mère, mais un inconnu viendra te relever. Un inconnu viendra payer ta facture. Qui a dit amen que je parle? Un inconnu est venu dire, on n'est pas parenté, je ne le connais pas. On n'a pas la même peau de couleur. Mais je prends soin de lui aujourd'hui. Je prends soin de lui demain. Je prends soin de lui après-demain. Je vais dire à quelqu'un, un inconnu se présentera à toi. Dès lundi, l'Éternel permettra qu'un inconnu se présente et il prendra soin de tes factures. Tu as compté sur ton père, il t'a déçu. Ton oncle t'a déçu. Ta soeur t'a déçu. Ton sang t'a déçu. Mais un sang étranger viendra et il soignera tes plaies. Qui a dit amen? Qui a dit amen plus fort? Donc voilà notre ami couché. Sa race le dépasse. Il dit, mais c'est un lévite. Il parle de Dieu, mais le lévite l'a dépassé. Écoute-moi très bien. Par moment, nos bénédictions arrivent où on ne s'entend pas. Quand tu vas dire au vieux Noé, Noé, est-ce qu'un corbeau est bon? Il dit, ah, corbeau, ingrat, comme tu n'as pas d'idée. Corbeau, quand j'étais dans l'arche, quand j'ai libéré le corbeau, il n'est plus revenu. Il est mauvais. Mais quand il dira Élie, Élie, est-ce qu'un corbeau est bon? Il dit, mais le corbeau est trop merveilleux. Quand j'étais couché au torrent, le corbeau m'a nourri jusqu'à ce que l'eau tarisse. Écoute-moi bien. Celui qui n'a pas été bon envers moi sera bon envers toi. Qui a dit amen plus fort? Dieu n'oublie jamais ses enfants. Jamais. Voilà pourquoi le bienfait n'est pas perdu. Par moments, on s'attend en disant, mon sang m'aidera, mon frère m'aidera, celui qui est proche de moi va m'aider. Écoute-moi très bien. Dieu, par moments, ne permet même pas que ceux qui sont autour de toi t'aident. Mais il permet ceux qui sortent des néants, ils viennent t'aider. Dis-moi pourquoi. Dis papa pourquoi. La gloire reviendra à Dieu. Si ton frère t'a fait, il parlera de ça tout le temps. Mais qu'un inconnu te fait, il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Toi que je regarde, je suis convaincu que dans cette nation, il y a des gens, tu t'attendais à eux, ils n'ont rien fait. Ceux que tu t'attends pas à eux, c'est eux qui viendront te bénir. Parce que l'inconnu viendra. Qui a dit amen? Par moment, on se dit non, c'est ma tante, c'est mon cousin, mais c'est lui qui te met dehors. C'est ton cousin qui te met dehors. Qui dit, sors de chez moi. Tu as trop duré dans ma maison. Mais l'inconnu, c'est un carrefour. Il t'attend. L'inconnu t'attend un carrefour. L'inconnu, c'est lui que Dieu envoie pour toi, pour te faire du bien. Je crois en toi. Tu ne mourras pas dans le désert. Tu sortiras dans ce désert. La maladie ne te tuera pas. Ce qui a tué l'autre ne te tuera pas. L'inconnu viendra te relever. La Bible dit, il a été frappé en demi-mort. Le diable t'a frappé. Frappé tes finances. Frappé ton mariage. Frappé ta dignité. Frappé ton honneur. Mais, il n'a pas pris l'essentiel. L'homme a une ressource en lui. Voilà pourquoi quand tu coupes tes ongles repoussent. Quand tu te coiffes, les cheveux repoussent. Il n'a pas touché à l'essentiel. L'essentiel qui est en toi, c'est la vie qui est en toi. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Le diable peut tout toucher. Le diable peut toucher à mon orgueil, ma dignité, mes vêtements, ma voiture, ma maison, tout ce qui m'appartient. Le diable peut toucher, mais qui ne touche pas à l'essentiel. Tant qu'il y a l'essentiel à moi, je peux encore rebondir. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, Dieu va accorder un esprit d'accélération à partir de mon message. Il y aura une onction d'accélération. L'Éternel permettra que tu rebondisses. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Un homme qui rebondit, il est dangereux. Un homme qui rebondit. Il est dangereux. Simplement,
Il a connu la vallée. Simplement, il a connu la faim. Simplement, il a connu les trahisons. C'est dans cette situation, on sait qui est ton ami. Ami peut te suivre parce que tu as du pain en main. Ami peut te suivre parce que tu as ton intérêt en lui. Mais quand tu as tout perdu, tu es en face de, ainsi parle l'Éternel, mais où est l'Éternel qui vient à mon secours? C'est là qu'on connaît ses vrais amis. Le reste qui est en toi, le reste va revêtir, le reste va répondre, le reste va s'exprimer, le reste va agir encore. Le diable a touché à ta santé, mais ton diplôme est intact. C'est vrai ou c'est faux? Le diable a touché à quelque chose, mais il n'a pas détruit ta beauté. Le diable a touché à quelque chose, à ton travail, mais il n'a pas détruit la source. C'est les mains qui travaillent. Tes mains sont encore là. Tes pieds sont encore là. Tes yeux sont encore là. Le diable perd le temps. Il a détruit, il n'a pas détruit l'essentiel. Le reste est là. Et le reste sera rebondi. Qui croit? Mon fils, tu as compris la parole. Et cela est arrivé sur toi. Dans la vie d'un homme, il y a très souvent ce qu'on appelle des périodes sombres. Tu crois que Dieu n'est pas Dieu? Dieu peut t'enlever la période sombre en une seconde. Mais Dieu fait exprès. Par moment, il est duré la période sombre pour voir qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. Celui qui vient te voir, tu lui perds le transport tout le temps. Il mange à la maison tout le temps. Donc, qu'est-ce qui le motive à venir chez toi? C'est le transport que tu lui payes. C'est la nourriture que tu lui donnes. Mais quand tu tombes, il se retire de toi. Il a oublié que le reste est là. Le reste peut bondir à tout moment. Quand tu vas dans mon pays, le vice-président, c'est pas Kablan Dinkan. Mais quand le pouvoir, PDCI était parti, quand tu le regardes à la télé, tu sais que ça ne va pas. Vous êtes ivoirien, non? Tu sais que ça ne va pas. Mais le reste était en lui. Le reste se baladait. On pourrait se foutre de lui. On pourrait dire, oh, va là-bas. Oh, ancienne gloire. Oh, le reste en lui. Fais attention. Un homme qui a le reste en lui, il est trop dangereux. Aujourd'hui, il est vice-président. Il veut dire, après le président net, c'est lui. Écoute-moi bien. Le reste est en nous. La promotion est en nous. La gloire est en nous. Et puis on souffre. Par moment. Le reste est en toi. Le diable va tout faire. Il ne peut pas te tuer. Voilà pourquoi Dieu a dit, Satan, je te donne Job. Je te donne Job. Prends les biens de Job. Prends ses enfants. Prends tout. Mais ne touche pas à son âme. C'était le reste. Donc quand Job a tout perdu, sa femme dit, maudit Dieu, meurt. Je vais me remarier. Toi, tu n'es plus valide. Job dit non. J'ai tout reçu de Dieu. Même si aujourd'hui je suis dans l'abaissement, je sais que mon Rédempteur se lèvera un jour. Et mon Rédempteur parlera pour moi. Je ne peux pas oublier Dieu. Je ne peux pas maudire Dieu. Car mon Rédempteur parlera pour moi. Quand Dieu a relevé Job, quand Dieu l'a relevé, la Bible dit, celui qui est monté, c'est aussi lui qui est descendu au pied de la croix. Écoute-moi très bien. Chaque chute annonce un événement. Chaque chute annonce une gloire. Toi qui me regardes, toi qui m'entends, l'année-là ne finira pas. Le reste va rebondir. Qui a dit amen? Le reste va rebondir. Écoutez-moi bien. La Bible ne se trompe pas. La Bible ne se trompe pas. La Bible dit, je vous donne les pieds des biches. Il n'y a pas une bête qui court que la biche. Il y en a pas. Simplement, Dieu te donne les pieds des biches pour rattraper ceux qui t'ont dépassé. Et même pour les dépasser. Et dans ton rétroviseur, tu ne vas plus jamais les voir. Ceux qui t'ont calomnié, ceux qui n'ont pas cru en toi, ceux même qui t'ont blâmé, je t'annonce une bonne nouvelle. Ah mon fils, tu sèles bien. Puisque tu sèles bien, la parole vient bien.
Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Un homme qui vient, le reste, il est trop dangereux. Trop dangereux. Le reste. La connaissance est là. La compétence est là. Il a perdu que ses honneurs. Mais tout le monde sait qu'il est compétent. Il peut rebondir à tout moment. À tout moment. Voilà pourquoi je crois en toi. Ne te sous-estime pas. Il y a un grand Dieu qui marche à tes côtés. Si aujourd'hui celui a dit ne t'aime pas, c'est parce que tu n'es pas digne de lui. Le reste qui est resté en toi, la beauté qu'il a vue, il est venu. Quelqu'un d'autre verra ça. Ne pleure pas si quelqu'un qui dit ne t'aime pas. Non, Dieu dit à Samuel, pourquoi pleures-tu sur Saül? Je l'ai rejeté. Il ne sera plus chef. Écoute-moi bien. Si quelqu'un dit ne t'aime pas, c'est que Dieu l'a rejeté. Il y a le reste en toi. Tu vas rebondir. Il a vu quoi et puis il est venu. Tes beaux yeux, quelqu'un d'autre verra ça. Il a vu quoi? Ta belle forme, quelqu'un d'autre verra ça. Je crois en toi. Tu ne mourras pas dans le désert. Il y a le reste en toi. Et le reste qui est en toi, tu vas rebondir. J'ai un ami qui me disait, il a perdu sa femme. Il dit, je vais mourir aussi en même temps. Je vais mourir. Je dis, non, reste tranquille. Calme-toi. Tu vas mourir comment? C'est un collègue. Il dit, non, je ne peux pas vivre sans elle. Il dit, mais avant elle, tu vivais comment? Ah, j'ai cassé son but seulement. Non, je vais mourir. Il laisse ça. Laisse ça. Ne pleure plus sur ce que Dieu a pris. Tiens, bel homme. Il y a des attributs en toi. Bonne taille, la vigueur, tout ça, le reste. Même pas 7 mois. Dieu l'a visité avec une très belle soeur. Il reste au portable avec elle de minuit à 4h du matin. Lui qui voulait se tuer hier. Le reste est en toi. Ne te tue pas pour un homme. Déception amoureuse. Ah, je me pends aujourd'hui. Tu vas te pendre pourquoi? Tu me fais honte. Si Dieu te ferme une porte, Dieu ouvre un portail. Parce que le reste est en toi. Qui a dit Amen? Mais elle t'a quitté, ça fait quoi? Il t'a quitté, ça fait quoi? Est-ce qu'elle est partie à ton style? Est-ce qu'elle est partie à ton élégance? Est-ce qu'elle est partie à ta bonne manière de parler? Est-ce qu'elle est partie à tes brèches, ta dentition? Est-ce qu'elle est partie avec? Elle n'est pas partie avec. Tu vas encore sourire vers un homme et qui va te regarder le reste qu'il a laissé là. Le reste qu'il dit, il ne veut pas là. Quelqu'un d'autre viendra prendre ce reste. Il va faire valoriser ce reste. Je crois en toi. Que Dieu bénisse sa parole. Il le frappa, il le laissa en demi-mort. Demi-mort. Demi, il est parti. Mais l'autre demi qui est resté là, c'est ça, Dieu va embellir bien. Et Dieu va présenter ça. Je crois en toi. Ton histoire ne finira pas comme ça. Si on pense, en te quittant, il va chuter. Ah, c'est le brebis qui dit ça. Non, on s'en va, on verra ce que son église va devenir. On quitte papa Zadi. On va voir ce qui va devenir. C'est là qu'ils sont en train de prospérer, non? Non, on va voir. On va voir. Quand moi, je ne chante pas là, l'église n'est pas contente. Quand je chante, on sait que l'église est là. C'est le reste. Il faut partir. Tu vas même pas arriver. On a où au Bévelier, c'est ça? Après Bévelier, c'est quel quartier? Où ça? Courneuve. Tu vas même pas arriver à Courneuve. Dieu va envoyer quelqu'un d'autre encore. Le reste, c'est trop dangereux. Le reste, non, il n'y a rien à faire. Même quand quelqu'un envoie un CV, il y a plusieurs CV. Et puis on prend le CV de quelqu'un. Ah, il était secrétaire général de temps. Même s'il est chômeur. Ah, il a dirigé ça. Maintenant, l'autre, il n'a rien fait. On dit, bon, les autres là, mettez-les de côté. On prend le CV riche. Ton CV est trop riche. C'est ton reste. Non, c'est ton reste. Mais si on doit faire palmarès de quelqu'un. Je prends un exemple banal. On prend un jeune prophète qu'on doit inviter. Et on prend un vieux comme moi. Et puis on lit bien le CV. Il a fait l'Europe, il a fait les États-Unis, il a prêché au stade, ses prophéties s'accomplissent, il est très dangereux, il est bien humble, tout et tout.
Maintenant, on prend le jeune homme. Il n'a jamais fait de programme, on ne le connaît pas. Même si j'ai perdu mon église, qui va inviter? C'est qui? C'est le reste. Voilà pourquoi l'Américain travaille sur son nom. Jimmy Swaggart travaille sur son nom. Billy Graham travaille sur son nom. Pendant 40 ans, quand il est vieux, c'est plus le même Billy Graham, hein? C'est le reste. C'est le reste. Je crois en toi. Le reste qui est resté en toi, Dieu va rassembler le reste là. Il fera de ça un bon plat. Et ce plat va rebondir. Allez, souris-moi un peu, j'en ai fini. Oh my God. Amen. Aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est le mariage. Je suis venu honorer le mariage. Mais, ça sera un péché d'être en Paris et de ne pas prêcher dans l'église de mon fils. C'est un lion. Ah non, moi je l'appelle affectueusement le lion. Je sais pourquoi je l'appelle le lion. Combattu mais n'est jamais vaincu. Eux-mêmes qui le combattent, c'est fatigué pour le combat. Mais lui, il a encore Dieu fort. Un homme qu'on ne combat pas, Dieu ne le voit pas. C'est qu'il n'est même pas dans le plan de Dieu. Donc toi, tu es là comme ça, on ne te combat pas. On ne te fait rien. Tu n'attends même pas un peu, même quand on dit les mauvais. On dit non, tu n'attends rien. C'est pas bon, hein? C'est pas un bon signe. Non, c'est pas un bon signe. Un homme, j'ai prêché tout à l'heure sur Daniel. Daniel avait des lumières. Un homme, il doit avoir des lumières. Pas une lumière, des lumières. Il doit avoir bleu, rouge, jaune, orange, même noir, même dedans. Des lumières. Quand il arrive par moment dans les périodes noires, tu t'agrippes au noir et tu restes tranquille. Le noir ne t'emporte pas. Quand le temps prend la couleur de bleu, tu descends sur le bleu, tu t'agrippes au bleu et le bleu ne t'emporte pas. Quand ça descend sur le temps de gris, tu t'agrippes au gris, le gris ne t'emporte pas. Un jour, on fera un séminaire dessus. Six les étoiles. Parce qu'il y a des gens qui naissent avec deux étoiles. Une étoile. Il y a d'autres qui naissent zéro étoile. Il y a d'autres qui naissent au ciel plus de 100 étoiles. Un homme comme ça, il faut avoir peur de lui. Moi, par contre, quand je suis fâché, tu ne sauras jamais. Quand je suis content, si tu ne sais pas. Bon, moi-même, je me demande quel genre d'homme je suis. Hein? Quand je suis fâché, tu ne sais pas. Quand je suis content, si tu ne sais pas. Il y a trop de racines. Quand tu me regardes, en temps normal, je suis ivoirien, je suis sénégalais, je suis malien, je suis guinéen. C'est la réalité. Ça, c'est mes racines, ça. Donc, il y a trop de sang qui revendique. Voilà pourquoi. Si ton enfant veut marier un homme qui n'est pas de même ethnie que toi, accepte. Il vient avec un vin nouveau. Quand tu vas à Bondoukou, vers les Djoula, là, tu vas voir les enfants mongols, beaucoup. Par moment, ils ont fait des médicaments, ça fausse pas médicaments. C'est les mariages ensemble. Cousins, neveux, maladies ne disparaissent pas. Les mêmes maladies sont encore dans les familles. Mais quand tu prends un homme, une femme bondoukouenne, qui prend soit un métis qui vient de loin, soit de Burundi, quand il vient, l'enfant qui sort, il y a des revendications. Ben, le sang revendique. Le sang revendique la beauté. Le sang revendique le caractère. Le sang revendique même la parole. Donc quand tu me regardes, j'ai trop de sources. Ah oui, j'ai trop de sources. Je suis trop bizarre par moment. C'est Dieu même qui m'a aidé. Remarquez, tous les grands présidents qui sortent dès maintenant, dans notre période là, on ne connaît pas quelle est leur famille au juste, on ne connaît pas. On connaît pas. Tout le monde doute. C'est un mystère. Je crois en toi. Il y a le reste en toi. Laisse Dieu va rassembler ce reste. Il va révéler ce reste. Ne pense pas que c'est fini. Non. C'est pas fini. Il y a le reste en toi. Tu m'entends? Il y a le reste en toi. Tu as été malade longtemps. Longtemps tu as été malade.
tes pieds sont atteints, tout et tout, mais il y a le reste en toi. Tu m'attends? Tu ne vas pas mourir. Quand tu étais malade, tu as eu un grand rêve. Dans le rêve, tu étais en train de commander. Tu donnais des ordres. Dans le travail, tu donnais les ordres. Le rêve que tu as eu, Dieu m'a dit de te dire, ce rêve-là, ça va arriver. Tu as été très malade. Comment? Mais tu n'es pas mort. Le reste est en toi. Cette femme que tu vois, elle est une onction supérieure. Dieu marche avec elle. Quand elle prie, elle a une grande audience au devant de Dieu. Sa prière t'a fait revenir sur la terre. Tout ce que Dieu t'a envoyé, il a un défi. Il y a un défi que Dieu va faire. Et le défi, tu vas gagner ce défi. Je la vois, elle te lave. Je la vois, elle te donne à manger comme un enfant. Je la vois, elle change tes couches. Je la vois, 2 ans, elle a pleuré. Le reste, Dieu va te ressourcer et ça va marcher. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Le reste. Voilà le reste. Voilà le reste. Il a tout perdu. Il était malade, tout et tout. Mais il vit, voilà le reste. Vous allez le voir ici à Paris avec voiture. Vous allez le voir encore avec beaucoup d'acclamations. Je le vois d'ici 2 ans et demi. Je suis en train de prêcher. Pas ici. Je le vois. Il est en train de me donner beaucoup d'argent, ce monsieur. C'est le reste. À cause de cette prophétie de ce matin. Le reste est trop dangereux. Le reste. Ah, le reste. Oufou est mort, mais le reste, c'est Boigny. Quand on dit la famille Boigny, hein? Tout le monde sait qu'ils ont l'argent, c'est le reste. Que Dieu bénisse sa parole. Il y a un esprit dans le bas-ventre d'une jeune soeur ici. Elle a les règles douloureuses. Quand ça la prend, c'est tellement dur. Mais c'est un démon, il va partir. Dépêche-toi. Sors. Libère son bas-ventre. À tes chaînes, à tes liens. Tu n'es pas resté là. Le bonheur marche avec elle. À partir de maintenant, cette année est une année de grâce. Une année de liberté. Oh Lord.